Hello. Lupi non bibe la bilo koya. Bon il a ka bilo ko etazini. Oni koko ma bona bona bo jeunesse. Mona etazini. Tata yo ki kole la nabino. Atinde libino. Maman Samira. Ndenge oza la kan etazini o kole lo kola mutwaza na mombele. Lo kola mutwaza na ngaba. Merci mon bibe. Wow! Bana Etazini, kolia bio, et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope na fute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebito yo. Che mama Samira, mansom azali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, pona kozwa biloko a détail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, ya entrepôt, 12, 40, avenue Randol, dans les banques. Tala, yoko banda koteka, mbisi ya koka uka, mongusu, mafute mbila, et koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, Bonne mama Samira, ma kienbae. Oso rebeni. Eh bela. Mama. Nazo lebete. Nazo kake kasi. Malobi plus précisément la kake Washington. Malobi mama Marte nde. Mama Marte nde. Malobi shop Africa Union. Et toi t'es gagnoso. Biloko ya. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. On se réveille à Kinshasa et banderole mort est à la 24. N'habitez sur Balongo Lengo Sikoyo, n'habitez Nanya Tchango, et Nguyen Obanini. Mais sur 24 novembre, banderole a commis l'intouchable général Kanyama défie la justice. Or, oh, c'est pas possible. L'intouchable, général Kanyama défie la justice. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, quand on essaie de gratter un peu, on se rend compte que c'est une affaire, il y a parcelle, une affaire, il y a cala. Donc, je vais essayer de voir, bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais au moins, cette banderole-là, elle est là. Il faut en savoir un peu plus. 14 provinces sur 26 concernées au sujet des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc, on a une candidature. Hein? L'Équateur, par exemple. Non, franchement. Je pense que le problème des Équateurs, le problème, pardon, des provinces, ils ont une combinaison. Il y a une assemblée provinciale, il y a un gouvernement. Là où vous voyez que tout va bien, c'est pas parce que, non, il y a un jeu qui se joue qu'on ne maîtrise pas. Et vous pouvez vous-même comprendre. L'assemblée provinciale dans les poches des gouverneurs contrôlés par les assemblées provinciales, et c'est un échange qui s'est fait comme ça. Chaque bureau, il y a l'assemblée provinciale et belé. Basé dans la quota na bango. Surtout, il y a affectation, là-bas, administration publique, topé, là-bas, hôpitaux, bah, député, au bas, accompagné chef, bah, là-bas, côté, là-bas,
oh net ina na ba entreprise ya ba revenu bo ba biloko ba recette publique bo. Ah mais député ça na ba tuna ye 5 députés ba na ba tuna ngo 4 ba na ba tuna et c'est comme ça que ça se passe maintenant au lieu ba ça la place na intérêt à peuple ba yokani ba kombi ba sadi ba tali ba entente moko le gouverneur et les vice-gouverneurs, disons, le gouverneur et les assemblées provinciales s'entendent. Soit c'est le gouverneur qui prend en charge l'assemblée nationale, pardon, provinciale, soit les gouverneurs, après si bongo ba ouverture est belé, après si bongo ba marché est belé, mais c'est compliqué quand même. Au moins, on va réflexionner, par exemple, l'assemblée provinciale, tout va réflexionner, bâtiment et l'État, c'est la femme d'un député qui gagne le marché. C'est le cousin d'un député qui gagne les marchés. Ou le député lui-même est fournisseur, et elle est au courant. Et bah, ça, il peut être un modèle, ouana. Quand ils voyagent, surtout en province, tant que bah voyage à cas, billet, bah foutre par exemple le billet, parfois billet, le billet c'est le gouverneur qui paye. Donc bah dans un moment on a. Alors ce que moi qui avait au Canada, ça veut dire bah en tant que simité, soit le gouverneur n'est pas très coopératif, ou les députés sont beaucoup exigeants, sont trop exigeants. Mais ça n'a rien à voir avec nos gouverneurs comme ça, vous savez, madame Moutet Olingi était rien à voir avec ça. Et là que le gouverneur a au Kabambongoté, après sa mongoté, bah assemblée bah Tomboki. Soit bah la députée, bah on s'engage mongo mingi, gouverneur à Tomboki. Et c'est comme ça. Et en province, bah société civile est belé, n'y a sauté, mais est belé bah dans la société civile il y a l'okuta. Bah koyawa, bah passez bongo, bah voilà d'une chose ça. Bah kuta ni bah passez bongo, allez bah zongi na ba province, ma kelele. Mais non, moi la même chose, tourne balingi pour balingi gouverneur ou anaté. Tiens, et c'est que balingi gouverneur ou anaté. Et c'est que bah tourne bah ça manipulé pour qu'il mette gouverneur à mal à l'aise. Mais est-ce que l'on a incompétence ça va gouverneur? Tiens, non mais écoutez, bah gouverneur bah ça na ba province ou d'une incompétence extrême. Le cas de l'Équateur est un cas patent. Le gouverneur de l'Équateur ne maîtrise absolument rien. L'Assemblée provinciale de l'Équateur, n'en parlons même pas, c'est le chaos total. Que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit le gouverneur lui-même, Bangomi Balé, Assemblée provinciale en Mbandaka, na gouverneur en Mbandaka, il ne maîtrise absolument rien. Le problème avec Bundisa Bango, ça n'a rien à voir avec le peuple de Mbandaka. Rien à voir. Rien à voir avec le problème de l'Équateur. Rien à voir. Le problème Zali, bah, problème pécunier. Bongo, après ça caté, alligosalinité. Alors, comme on a toujours besoin de se cacher derrière quelque chose, ben, on va se cacher derrière l'incompétence de quelqu'un. On va dire, on va pousser sur l'incompétence. Et puis, c'est vrai. Incompétence, c'est Zali Nango. Mais le motif pour lequel, ben, on a mis ça pour l'incompétence, c'est pour la coopération, on simité. Le même problème que vous trouvez à l'Équateur, c'est le même problème que vous trouvez au Congo central, le même problème que vous allez trouver dans la province de Bénin, tout ça. C'est pratiquement le même problème. Na Kasai, c'est le même problème. Le gouverneur, Bengani Maweja, tout ça, au moins j'ai incompétent. Son Tali Penza véritablement bien. Et ça peut être incompétence. Na Sankourou, c'est presque la même chose. On attaque le gouverneur, ce n'est pas parce qu'il est incompétent. On l'attaque parce qu'on ne veut pas de lui, il n'est pas coopératif, il ne donne pas autant, il ne fait pas autant. Lorsque vous voyez un gouverneur contre une assemblée provinciale, c'est que ce gouverneur-là, avec contre l'assemblée provinciale, là, pour deux raisons. Soit l'assemblée provinciale demande un peu plus, ou l'assemblée provinciale se montre non coopérative. Yangoana. Alors, devant ce problème-là, qu'est-ce que l'on fait? Devant ce problème-là, on n'a qu'un seul choix. Le choix, c'est de refaire les choses. Supprimer les assemblées provinciales, parce qu'il y a énormément d'importance dans le côté. Il faut les supprimer. Et les remplacer par autre chose. À l'époque, on avait des gouverneurs. On avait des gouverneurs à l'époque, mais on n'avait pas des assemblées. On n'avait pas des assemblées provinciales. On va dire que le système a changé, ouais, tout ça. Ça, on peut bien, comme on veut bien le dire. Mais nous pouvons construire un mécanisme qui nous convient. Un mécanisme qui nous aide à évoluer. Et ce mécanisme-là, vous le trouvez dans notre charte, il y a 4e République. Parce que nous, dans notre 4e République, on n'aura pas d'assemblée provinciale. À la limite, en tout cas. On aura des bureaux qui vont faire office des assemblées provinciales, mais qui n'auront pas le même pouvoir qu'on leur a donné. Parce que le pouvoir qu'on a donné aux assemblées provinciales, c'est finalement un véritable pouvoir de contrôle. Dans un État démocratique, c'est comme ça que ça marche. Mais comme ici, on n'est pas dans un État sérieux, on est dans une sorte d'une anarchie, surtout dans la province, les députés utilisent cette force-là, non pas pour pousser le gouverneur à bien travailler, mais pour le mettre dans une situation d'être rançonné. À quoi on dirait, va chaler. Gouverneur a fait, député a fait, 7 sacs à ciment, 8 sacs à ciment,
camion ma banga aller, c'est le gouverneur qui doit payer tout ça. Gouverneur, tout le monde dit, ma carrière, dans le besoin, dit véhicules. Alors, c'est compliqué. Lorsque le gouverneur, quand il arrive, il donne des parcelles à tous les députés. Ça veut dire quoi? Il donne des terrains à tous les députés. Député, la taliba, mon dit, ma banga, ma beleza, côté kuna, moi, 20, nabino, au moni kuna, moukouye, moupate, 20, boya, boza, 20. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, quand les gens ont des terrains, le deuxième besoin qui vient, c'est construire. Alors, on va se poser la question. La province produit des caisses. La province produit, ciment. Alors, que le gouvernement nous donne. Et le gouvernement qui a donné des terrains sera obligé de donner encore des caisses et des pierres. Pardon, des ciments. Et le gouvernement va se faire saigner ça comme ça. Comme ça, si le gouvernement le fait, il est tranquille. À ton il déjà bandaku, à permettre à va évoluer. Sinon, on va dans la nation de santé, pas, et on a frère gouverneur. Et ça se passe comme ça. C'est vrai. On peut exagérer un peu. Mais pour la plupart des cas, c'est un modèle ouana. Donc, l'intérêt du peuple, les a pensaté. Ce n'est vraiment pas pour le peuple qu'on parle. Mais c'est pour des besoins personnels que ces gens-là se battent. Alors, le ministre de l'Intérieur, moi, je conseille au ministre de l'Intérieur d'ouvrir une chambre. Une chambre qui va être considérée comme une chambre de résolution de conflits dans ma province. Ça va être une chambre tampon. Je ne connais pas encore la nature juridique de cette chambre. Il faut réfléchir pour qu'elle ne viole pas la loi, mais qu'elle la contrôle et qu'elle la contourne. Ça veut dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur peut mettre en place une commission. Une commission qui va commencer à régler des différends, qui va commencer à recadrer de motions alimentaires et de motions de chantage. Mais aussi, qui va commencer à contrôler les dérives ou les attitudes compromissoires des gouverneurs. Quand il y a une mésentente au niveau de l'assemblée des assemblées provinciales contre le gouverneur, cette commission-là peut servir de tampon. Pour dire, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Non, nous voulons poursuivre le gouverneur pour ça. Cette commission se charge en toute neutralité, que Dieu nous aide, que là, on ne place pas encore des affairistes. Des gens qui seront dans les poches des gouverneurs ou dans les poches des assemblées provinciales. Mais Mouto, à quoi qu'on là-bas, conflit, ouana. Non, cette motion, c'est un chantage. Non, ça, c'est une attitude compromissoire, monsieur le gouverneur. Arrêtez ça. Non, l'assemblée provinciale, pas ça. Si nous mettons en place commission modèle Ouana, on mûrit ça convenablement, on n'aura pas de problème. Ça peut nous permettre de transition jusqu'à ce que tu comptes à la 4e République, on n'aura plus ce problème. Je pense. Donc, à mon avis, élection, ils vont régler le problème. Ils vont régler peut-être le problème à formalité. Mais les problèmes vont demeurer. Parce que Ngaï, excusez-moi de vous le dire, en un minuto, vous me demandez d'être gouverneur de l'Équateur, non, ça l'a été. Avec cette assemblée provinciale-là, ça ne marchera pas. Même si vous mettez Jésus là-bas et Simbaté. Non. Et si, je connais pas les cas des autres, mais moi, ça passe pas. Il faut un changement. Mais aussi le peuple, il peut boire le peuple. Bah, député en haut provincial, il peut boire le député provincial, il peut voter. Bah, vous avez un modèle, ni. Bah, vous avez un député provincial, il peut voter. Bah, vous avez un place, ni. Quand on a un député provincial, c'est ma province, ma zone, la radio. Mais autant lui, mais, Nzambe. Oh, député, député. Mais combien on est, ni? A commis député Ndengedine Moutoua Boye. Et ben là qui Ndengedine y a comme député. Mais a commis député. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors Barabi en a quartier. Qui en a commis député? Après ça, bon maï. Après ça, bon mapa. Il y en a député. A Kundara Bongo Bimbe. Mais Mouta Kundara Bimbe Baza, Mouta. Il y a la croque morte. Au père Zali Moutoua. Moutoua Ba social. Madame Moutoua, a la député, t'es. Le rôle d'un député, c'est Kundara Bimbe, t'es. Au rôle de la députée, Zali Koukabama, il était comme ça, ma forage, t'es. Et la députée, t'es. Mais c'est pas possible. Le monde est à l'envers dans ce pays. Un député ne fait pas des ponts, ne fait pas des forages. T'es, on a Moussa la députée, t'es. Nous sommes députés, nous sommes dans ton balabal. On a un architecte, oh, tout ça, Moussa la OVD. Yo, Moussa la Ngoana, t'es. Ton travail, c'est de contrôler l'appareil. Qu'aucun de côté, là, ministre, y a transport, y a Kawa. N'est-ce pas, Tongi balabal, là, on a t'es. Ton rôle est d'aller à Koulukami Beko, qu'on s'en a la loi. Ndé Moussala est député en Gouana, mais on est député comme Koutonga Forage Awa, à Tongi Forage Sikatel. Non, là, Moussala est député. Ton rôle est d'aller pour un bouc, on pas si bon, faisons le caca. Bon, ben, l'église de Tonga, bah, Forage. Bah, comment pas député. Mais l'église catholique, n'habite l'église de Sala, bah, œuvre physique, matérielle, qu'on le Kabango. Donc, bah, prêtre, on a tout bas dans la député, bah, moi, alors. Non, mes frères, tout, 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 tout,
qui titrait ça comme ça. Congo Nouveau parle de la nomination comme DGAI de Kalenga Makonga irrégulière. Hein? C'est pas de scandale au FPI. Voilà. Le mec qui vient à FPI, mon émoi belé. Mine au Congo, la Chine réagit à un documentaire accusateur. Ben, moi, je n'attendais pas autre chose. Hein. IGF vs voleur. Qui va remporter la bataille? C'est clair, IGF remportera cette bataille-là. Et dans la bilan, il y a un peu de temps, 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 Camille Bowayo. Ça, c'est ma jeune ondaine. Police judiciaire et parquet. Prêt à parquet. Oh, ça, c'est mon tabou, bah, je, n'ai. Et d'un bilogu, bah, il y a kanyama. Oh, ça, c'est mon blague, n'ai. Tu peux pas jouer. En tant que, ça, je peux pas jouer. Mais il y a un bilogu, là, nani, inspecteur général, chef de service, il y a IGF, Jules Alinguette. Car, son tali, il y a un bilogu, on me dit, c'est mon blague. Et d'un bilogu, ça, c'est mon blague, t'es. Moi, je conseille même la bateau, vous n'avez pas besoin de me rambo. Vous gagnez temps. Vous qui cabinez dans la prison, vous mitigez la bino moko, vous savez, la comparution volontaire. Gagnons le temps parce que ça va venir après. Vous n'avez pas besoin de me rambo. Vous n'avez pas besoin de me rambo. La dérangeant qui est, vous avez la liste à bavard. Vous moko. Au lieu que ça nous peut perdre, qu'on perde beaucoup de temps. Parce que ce qui est important, ce qui va être fait, la minute, mesdames et messieurs, rassurez-vous que ma baie est au quota. Et je voudrais vous dire une chose. Vous avez vu maintenant est-ce que vous avez compris agitation? Voilà, c'est outil. Est-ce que vous avez compris pourquoi les gens sont devenus agités? Parce que IGF Aloubiboué Alingi a lancé audit na Serge Kamine. Alingi a lancé audit au sein ya Jekamine, mais contrôle wana e kufungwa na période de 2010 tilelo. Ça veut dire, hein, tous les contrats, au Salima na Jekamine, à partir de 2010, Tililo, il y a une agitation, il y a comme une belle boue, agité. On va aller voir les contrats. Ça a profité à qui? Mes frères, attaque au Balinga Kambokate. Non, mais attaque au Balinga Kambokate. Yozui contre carré minier. Boté qui carré minier na moto ou avant na mbongote. Ape Sibino 10 millions de dollars. Paye à te qui a 400 millions de dollars. Attaque Bino Moko. Attaque Balinga Gambo Kangote. Même ceux qui tout ça qui bino Moko Moko, mais ben habite tout ça la bino Nini. Moi, à un moment donné, on a mis une question. Hein? Qu'est-ce que nous vous avons fait de mal? Ma bénigne va congoler basala bino oyo ozu bo kondi po lingo bo bango nyoso. Comment go signer contrat il y a 100 ans? Contrat il y a 100 ans, il y a mine. To gagner nini na yango. Ba contrat betamine na biloko za na image za na idete. Ba 25 ans, ba 35 ans, ba 45 ans, ba contrat ba 45 ans, 50 ans. Mais franchement. Contrat 50 ans, c'est pratiquement 10 mandats. 10 mandats. 50 ans, 10 mandats. Ceux qui mandent dans la 5 ans, 5 ans, 10. Donc, en termes simples, Mouto a sali contrat à 50 ans. Et qu'à ça, il y a B. Et qu'il pèse le côté. Et enrichir Bango. Ça veut dire à sacrifier 5 présidents, minimum. Et puis 5 présidents, on va doubler le mandat à Bango. Hein. Ou à sali pendant 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Mais il y a tant de temps, tu l'es là en 2021. Vous avez signé un contrat il y a 50 ans. Ça veut dire contrat n'a eu que de nos cils en 2071. Mais attaque au binôme. 2071. Donc, il y a l'imbongo à 2071. Attaque à l'imbongo à futur en gros. L'imbongo à 2071. T'as commis à ta 2022. Mais l'imbongo à 2071 aussi au lien. Ah, binôme, voilà, Kanda. Ah! Attaque à l'imbongo. Finalement, tout ça, la binôme, il y a ma bé. Attaque à l'imbongo à peuple. Où t'es dans le modèle, voilà. Comment on signe un contrat il y a 30 ans? Et puis, bon, on a tous les mots. On signe un contrat à 30 ans, il n'y a pas de problème. Mais pour vieux, ton gata ba hôpital. Et ton gata ba nzela. Et ton gata ba école. Comme ça, après 30 ans, les gens peuvent étudier dans l'école.
Comme ça, après 30 ans, les gens peuvent se continuer à se faire soigner dans les hôpitaux. Wana. Comme ça, après 30 ans, les gens peuvent continuer à utiliser babalabala. Wana. Mais nous, nous avons un bon appel Bogoli. Bogoli, bon, tout. Donc, tu qui mis sur le on peut pas tout perdre quand même. L'IGF dit on ne peut pas tout perdre. Monsieur le président, on ne peut pas tout perdre. Monsieur, on signe un contrat, mais tout le problème. Contrat à combien on signe? Oh non, on avait signé, on avait donné autant. Combien? Vous pensez à combien? Autre pensez à 50 millions de dollars. Très bien. Avec qui avez-vous signé le contrat? Non, avec monsieur Ndebana. Ok, monsieur Ndebana, venez. Monsieur Ndebana, reconnaissez-vous avoir eu 50 millions de dollars de main de telle entreprise, Christian Mining? Oui, on a eu 51 millions de dollars na Christian Mining. Ok, 51 millions de dollars ont servi à quoi? C'est-à-dire que, bah, ok, nan, IGF, ok, nan, on a n'engé wana. On ne va pas aller, oh, toi qui t'en a balabala, on va vous arrêter, vous allez fouiller, Et on a tout bon côté. Et comme, bah, moutu, moko, y'a, que, honnêtement, tout le monde a 2010, ça. Si là, c'est bandit. Nous soutenons les actions du chef de l'État, il va postuler en 2023, et on doit le conduire. IGF a dit, très bien, mais, viens, vous allez le conduire, oui, oui, mais, ah, ouais. Expliquez, bichon, dans le contrat, ou y'a qui n'engé. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites là-bas, au Yomoro Yoki, au Bangui. On me dit, mais comment ça se fait? Comment est-ce possible? Bandeko. Là, il y a un peu de temps. 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 En Australie, pour la base de la mine, il y a 800 mètres, 900 mètres, 1 km dans ma ville. Il y a un bini penza pour la base de la mine. Mais bien sûr, tout ça, la mine, on a affleuré. C'est-à-dire, il y a des bimes. Là où les autres vont creuser en profondeur, nous nous créons. Papa, on est le yasu mine, on est comme une man. Pour le besoin, quand tu as soumis ma belle, on est comme une man, pendant des bozuka l'icolo. Mais malgré ça, malgré que bien sûr, tout ça, on a l'icolo, l'icolo, mais ça ne nous profite pas. Mais quand tu as la mine, il y a Australie, il y a Kela Australie, il y a Tonga Australie. Tout le monde envie l'Australie. Tout le monde veut vivre en Australie. Tout le monde veut passer son temps en Australie. Tout le monde veut être bien en Australie. Pourquoi? Parce que les mines australiennes ont créé l'Australie. Les mines australiennes ont créé des écoles, des hôpitaux, des aéroports, des infrastructures, des échangeurs. Autant que l'autorité n'a pas dit, il y a des gens le quoi ibobia. Il y a des gens qui ont dit, oh, il y a mine na bango. Bon, tout le monde, quel est le meilleur hôpital au Australie? Quel est le meilleur réseau routier? Hôtel. Mais ouais, ça là, Bambo Kanabango. Ils ont créé Bambo Kanabango, Naba mine Nabango. Mais chez nous, nos mines à nous. Donc, ça servir d'un côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie pour passer Naba chinois. Une autre partie pour passer Naba Wanamosusu. Ils sont finalement partout. Et les Congolais, avec le Gaga Miette, Congolais, on le met à Madame Adèle, princesse Adèle, ou ministre à portefeuille. Congolais avant le quoi mutaza na katia mai akiti ma colère na katia mai mais on sait que mutaza na bidon libandam on sait que mai ndeko kamila nga mo mai mais on sait na yo na rivière tu es là à la rivière bois de l'eau nous sommes ceux qui demandons de l'argent alors que nous avons l'argent chez nous vous avez la même mentalité wana alors monsieur le président bon atoli nyimbo kango mingi okotonga mboka bwinengene. Il y a un autre monde à présent, si ma promesse n'a pas été, et on se réalisait. Mais ma coquille a qu'on réalisé, ma promesse n'a pas été, pour avoir un autre peu ça. Exactement, bon, tout est kenda. Bah, tu vas si bah, liam bon, vous allez voir, au côté d'un 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 d'un
Donc, Moutazou n'a garanti, peut garantir à 15 mois, a dit 25 mois anticipatifs. Ça veut dire, il y a pas de gérer un d'accord. Si tu as géré un d'accord, il y a un d'accord. Il y a un d'accord. Il y a un d'accord. Donc, on a obligé de faire un d'accord. Parce que, il y a un d'accord de peinture, il y a un d'accord de kokatamatiti, il y a un d'accord de parce que, il y a un d'accord, y compris le courant de 4. Ben, dis-moi un peu. C'est comme ça qu'Ofachi a pris ce pays. Le pays a été littéralement vendu. Vendu au sens propre. Ce livre d'Al Gore, le futur. Mais Al Gore essaie de parler, même si un député avait quand même menti un peu sur la question. Mais Al Gore parle de la mégestion, de la mauvaise gestion des terres africaines. Hein? Des terres africaines qui ont été littéralement cédées. Dans le lingue où il y a ma B, où il y a faux. Mais les gens continuent. Mais attendez, vous voulez quoi? Navimboka, oui, Mboka vert, gérer Mboka, mais vous gérez quoi à la fin? Vous gérez quoi? Vous gérez les patates douces, les cacao, vous gérez quoi? Parce que l'enjeu principal, il y a Mboka Nabino. On veut quoi de Mboka Nabino dans mon niveau? Et ça, la mine. C'est faux, ce sont vos mines. Donc, le docteur Mukwege n'a pas tort. Le docteur Mukwege n'a pas tort quand il dit que le chinois, Bazui Mabele Nabino, Bazui Or Nabino, va organiser un marché noir. Non seulement que ça vous discrédite, mais aussi ça vous met mal à l'aise. Ça décrédibilise Mboka Nabino. Bon, le Banine, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Vous n'allez pas vous plaindre parce que les mines sortent de chez vous, en complicité de vos enfants, de vos autorités. Ce sont eux qui jouent ce jeu-là. Monsieur le Président, réussir-t-il de bouillir? Ma proposition, le code minier doit être révisité. Les termes de référence doivent être réécrits. C'est très important. Ça, c'est des 1, 2, 2. Prenons des décisions courageuses. Dans le secteur minier, je n'y connais pas beaucoup, mais on peut prendre des mesures courageuses qui peuvent faire éclore, promouvoir une véritable classe moyenne. Et au bout de 10 ans, on pourrait avoir des miniers congolais. Mania penda un minier congolais, togo okuta na bango. C'est d'abord commencer par interdire toutes les activités connexes na magambo mine aux étrangers. Réserver, par exemple, la primaire et transport na ba congolais. Fourniture et carburant na ba congolais. Fourniture, y a ba service mousoussou na ba congolais. Main d'œuvre, y a ba congolais. Na conseil d'administration, ba congolais, pas un ébélé. Si nous commençons à prendre des mesures courageuses à modèle, on a, bah, quand même, ébélé, bodomono, égo changer. Ébélé, vraiment, bodomono, égo changer. Au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, les choses vont véritablement changer. Mais aussi, discuter convenablement sur nos terres. Rencontrer ces opérateurs économiques, ces grands multinationales. Il faut à un moment donné les rencontrer. Pour leur dire, on vous vend ça à combien déjà, le sac d'or ou tout ça. Parce que là, ça se vend même pas en kilo. Et amis, ils m'ont donné un sac, même si c'était un kilo. Vous payez combien aux jeunes gens pour un kilo? Oh non, nous leur donnons 1,5 $ et tout. Bon, écoutez, nous allons nous entendre avec vous. On n'a pas besoin d'aller tout bimbo manaka, tout ça pour. Bah, mon jeune, on a besoin de moussalamoko et oumela. Oh, et oumela, t'es besoin de moussalamoko et bah risque. Parce que ceux qui baillent, bah, bêtement, ça c'est ma koufi, c'est nous qui perdons. Alors, on va s'entendre. On ouvre une campagne de sensibilisation. Naba autochtone nabiso. Pour leur dire, nous voulons construire des usines Awa. Mais pour construire des usines Awa, bien il faut vous fournir Bango. Et en contrepartie, voilà ce que nous vous apportons. Nous mettons en place des usines de production. Il y a cobalt, il y a transformation sur place. Cobalt, cacao sur place. Vous pensez que, si vous avez Toyota, ou avez 5 entreprises de téléphonie, ou avez 5 entreprises il y a automobile, au bengi y a plastique, au bengi, bah, on a est, on a, mais ça, c'est bête. Et bête, attends. Et verra ce bengi qui a voilà, on est menacé. Bon, bah, eux-mêmes seront protégés. Bah, intérêt à Bangomoko. C'est ainsi, dans ces conditions, il faut qu'il y ait à affronter. On va juste décourager ces gens-là. En leur disant, écoutez, au lieu d'entrer par la fenêtre, entrez maintenant par la grande porte. Et ça nous aide à nous en sortir. Mais entre-temps, monsieur Jules Alinguete, vous êtes aujourd'hui notre espoir. Il n'y a que les Congolais sérieux qui peuvent vous aider.
qui peuvent vous soutenir. Tout celui qui s'élève contre l'IGF Lelo, bon comprendre qu'il va moïbi, soit à profiter qu'il a moïbi. A aller dans la bande, il y a un malfaiteur. Pour un mouton, c'est normal, à quoi qu'il y a là, il y a un mouton IGF, tout le police judiciaire pour le parquet. Moi, je peux vous dire, dans la salle de classe, même dans la contre-chef de classe, mais ça m'a dérangé. Bon, nous voyons qu'à normal, l'aide de Jérémy, tant qu'on est dans la classe, là, bango. À cause de la contre-chef de classe, t'es? Pour Jérémy, c'était un garçon qui ne dérange pas. À quoi la classe avant, il y a tout dérangé, tout est bimi. N'a pas de chef de classe, il y a été. Mais, bah, tout le quoi, bah, LG. Bah, tout le quoi, bah, homo. Bah, tout le quoi, bah, ennemi. Bah, dérangeur, dans ma classe, il est. À votre moment, on a ma kila. Bah, on a bête, chef de classe, Ibanda. Oh, il y a une chef de classe avant, d'accord. Avant, on a venu ma sikita. Tout le monde, on a deux chef de classe, on a deux coups. Oh, ma bête, on a bête, on a bête, on a bête, on a donc, ce sont eux qui agressent les chefs de classe. Mais ils sont pas mal à mon classe. Dans la classe, on a vendu sui. On a waï. Puis, on a vendu sui. On a vendu sui. On a chef de classe. On a chef de classe. Mais en tout cas, on a LG. Il y a un chef de classe. Chef de classe, dans mon avis. Ceux qui t'aiment, tout le monde a appuyé. Artens. Et il peut nous dire. Makambo basala. Donc, à un moment donné, et dans la vie, il y a classe, c'est comme ça. Ce qu'on veut dire, tout le monde avocat de la contre. Ce qu'on veut dire, avocat de la contrôleur. C'est qu'à l'heure, avec un la poche, on va fouiller, on va fouiller, bala mike kaka oyibi nguba makongo kaka tipeso fula yon ocha oh fula oh monsieur sa fou pour yon 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 sole bimate oh mais mouton yon a kite akon fou mouton yon popotam pour yon ke aibi na ete pour mesate donc regardez vous même celui qui a volé a peur qu'on le contrôle yon ozo ka oh il faut qu'on pardonne les gens il faut ah ça dégrave il faut qu'on pardonne les gens nga y compris. C'est ce qu'on appelle tailler des lois sur mesure. Mais non, malheureusement, dans des pays sérieux, on taille des lois sur mesure de la moralité, sur mesure des vertus, sur mesure de la compétence. Mais dans des pays des mafieux, on taille les lois sur base des criminels, sur base des voleurs, sur base des assassins, des criminels économiques. Bah, t'as la loi, n'a pas taille, n'a pas go. Non, disons non. Moi, je demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'IGF, non, on va Jekamine, boué, au côté de la province Mbalamoko, gestion de Mbangwata depuis 2008. Ce qu'on te dit, par exemple, notre Kasaï occidental, Kasaï oriental, là, c'est la configuration à 16, hein. À 11. Kasaï oriental, Kasaï occidental, Kinshasa, Équateur, Bakongo, Bandundu, province orientale, Nord, Kivu, Sud, Kivu, Namaniema. On m'a dit qu'on dirait à ta, on t'a dit, bon, et qu'il y en a qui ça peut nous aider, en fait. Mais est-ce que la Bosnie province, moi, je pense pas. Donc, est-ce que la Bosnie, on peut faire quelque chose. Est-ce que la Bosnie, on peut toujours trouver quelque chose. Est-ce que la Bosnie, t'es la Bosnie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Les parfums du gore, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Borozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la. Indépendance, tu es aux hommes.
Loye Molonde Nelalisa.